la dizaine commerciale de Beaucourt qui s'était déroulée samedi. Nous sommes maintenant à Mandeur. Alors j'ai M. Claude Capelli qui est entraîneur du club de karaté de Mandeur. Alors pouvez-vous nous parler de cette journée? Oui, alors c'est une compétition qui est organisée par le Budokai Mandeur, sponsorisée par M. Ponsport hein, qui nous offre le plateau de 32 coupes. Et puis où on doit renouer avec la tradition, c'est-à-dire un karaté traditionnel où le maître mot c'est vitesse, précision, contrôle et maîtrise absolue qui sont la règle d'or d'un karatéka. Le club de Mandeur existe depuis quand? C'est un club qui existait avant, j'avais formé des anciens, et puis bon, ils ont existé pendant 4 ans, et puis après j'ai décidé de les reprendre depuis 2 années pour augmenter le niveau du club. Alors, le karaté c'est pas spécialement un sport de combat, c'est également un sport de détente ou de concentration, non? Tout à fait, on dit karaté sport, mais il faut rectifier tout de suite, ce n'est sport que parce qu'on l'a codifié avec des règles permettant la compétition combat ou la compétition kata. Mais je précise que le karaté c'est surtout l'art martial, c'est-à-dire une discipline, une philosophie, un art de vivre et non pas qu'un sport. Ceux qui partent dans la voie sportive font une erreur en pratiquant le karaté dans ce système-là. Et le club de Mandeur, ça comprend combien de membres? Actuellement, on est à peu près une soixantaine, en espérant augmenter toujours. Et vous entraînez où régulièrement? On s'entraîne dans la salle ici même, plus haut. Les entraînements ont lieu le lundi et le mercredi, de 5h30 à 7h30, et les deux jours. Merci. Je vous remercie. Vous êtes directeur de Franche-Comté du Karaté Club, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Je suis membre du comité directeur de la Ligue de Franche-Comté de Karaté. Pouvez-vous nous parler plus particulièrement de cette journée? Oui, alors c'est une compétition amicale, ça ne fait pas partie du cycle officiel de championnat. Et on a essayé de lui donner un petit peu une certaine éthique, telle que devraient se pratiquer toutes les compétitions de karaté. Et on est particulièrement content de l'ambiance dans laquelle ça s'est déroulé, puisque tous les compétiteurs ont eu un comportement exemplaire. Il y a combien de clubs de la région qui participent à cette journée? Alors là, on a environ 7 à 8 clubs, je crois, qui sont plus ou moins représentés, puisqu'il y a des clubs qui sont représentés par une dizaine de personnes, d'autres par 3 ou 4 compétiteurs. On a aussi des personnes qui sont venues de Moutier en Suisse et d'autres qui sont venues de Célestat ou de Mulhouse. Je vous remercie. Todo lo que
Merci.